Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour la deuxième quinzaine de mars, du 16 au 31 mars plus précisément. Je vous souhaite également un très bel anniversaire à vous les béliers pour cette deuxième partie du mois de mars. Je vous dis aussi que vous allez changer aussi d'année personnelle pour votre anniversaire. Donc je vous invite, si vous le souhaitez bien entendu, hein, ça pourra compléter parfaitement cette guidance. Vous pouvez donc, pour calculer votre année personnelle, additionner la totalité des chiffres du jour de votre naissance, du mois de votre naissance, ainsi que de l'année en cours 2023. Donc ça veut dire qu'à cet anniversaire-là, à la date anniversaire, vous changez d'année personnelle. Et donc, si vous tombez sur deux chiffres, vous le remettez sur un seul chiffre, vous le réduisez encore à un, et puis vous pouvez après aller voir la signification en tapant dans votre barre de recherche année personnelle 2, année personnelle 10, année personnelle 3, enfin 10, non, 10 ça va faire 1, pardon, année personnelle 4, etc. Et ça va vous donner en tout cas le fil conducteur de l'année qui va s'écouler là pour vous. Voilà un peu. Alors ensuite, on va aller tout de suite voir les énergies principales de votre deuxième quinzaine de mars. Donc nous avons les amoureux et nous avons le 2 de bâton. Bon, alors avec la notion de 2 et des amoureux, il y a éventuellement des projets de couple, des projets d'association, des contrats, des mariages, des pacs. Il y a peut-être voilà, cette notion-là, des choses qui sont en train de grandir, des choses que vous avez peut-être déjà plantées et qui sont en train de pousser tranquillement, doucement mais sûrement. On va me parler aussi, éventuellement avec la carte des amoureux, d'un choix qui va être à faire, d'une décision qui va être à prendre, mais une décision que finalement on va être amené à faire plutôt avec son cœur, concernant ici avec le 2 de bâton, concernant un objectif, concernant une planification, concernant éventuellement les bâtons, c'est un projet. Et le 2, c'est une association, concernant peut-être le fait de s'associer dans un projet. En tout cas, on est dans une décision, un choix à faire concernant un projet que vous faites tout seul ou que vous faites avec quelqu'un. Il y a une notion d'effort, j'entends aussi. Ici, il y a quelqu'un qui a quand même planté une graine et qui continue d'entretenir cette graine-là. Alors, c'est rigolo parce que j'entends aussi que pour un couple ici, pour les couples, pardon, pas que pour un couple, pour ceux qui sont en couple, on vous invite pour cette deuxième partie du mois de mars de faire quelque chose qui va entretenir votre relation. Une activité ensemble, un restaurant, une sortie, une balade, ou de faire plusieurs choses, hein, de faire des choses qui entretiennent la relation. Pardon, j'ai failli éternuer. Alors on arrive au pollen là, c'est pas terrible pour moi. Allez, on continue avec le tarot des fées. Oh, la rêveuse. La rêveuse qui est aussi la carte du mât, donc la carte zéro. Hein, donc moi je la mets en premier. Cette carte qui nous symbolise donc un nouveau départ, un changement, un sentiment de liberté, peut-être un déplacement pour certains ici. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure ou faites-vous confiance. Donc en effet, débuter une nouvelle aventure, on peut être en effet sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, soit pour vous, soit avec quelqu'un. Parce que les amoureux, c'est pas que deux personnes ici, c'est aussi le fait de symboliser la décision, le choix. D'ailleurs, le 2 de bâton est aussi un choix, une décision à faire. Donc, on a quand même deux fois la décision, le choix à faire, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place, ou pour un nouveau départ aussi dans votre énergie. L'animal qui vous accompagne, c'est l'âne, avec l'obstination. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'entendais « ne soyez pas têtu ». Alors, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais ne soyez pas trop obstiné dans une situation. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'absolument faire, mais qu'il faudrait peut-être mettre un peu de souplesse dans ce que vous avez à faire. Je sais pas pour... Voilà, je transmets. C'est juste un ressenti qu'on m'envoie, mais ça concernera peut-être pas tous les béliers. Mais on me dit, ne soyez pas trop têtu. Mettez-y un peu de souplesse. Alors, obstination, l'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance. Ben voilà, t'es-tu dans une situation, peut-être que vous vous obstinez à aboutir à quelque chose parce que vous vous êtes donné une ligne directrice, mais si par contre on vous dit que vous laissiez un peu tomber ou que vous vouliez faire les choses peut-être différemment, ben ça serait mieux, ça serait plus fluide et ça passerait. Il y a cette notion-là. Ensuite, avec l'âne aussi, comme le mot obstination, on me dit aussi
que par rapport à ce que vous mettez en place, ce nouveau départ, ne baissez pas les bras. Restez justement focus sur votre objectif ou sur votre projet. D'accord ? Donc c'est ça aussi l'obstination, c'est rester aussi focus sur ce que vous avez envie de mettre en place. Ok, allez, on va voir. Alors, ça peut paraître contradictoire, hein, de le fait, comme je vous disais, de garder plus de souplesse, de ne pas être obstiné, mais ça va pas concerner tout le monde. Par exemple, moi j'entends plutôt ne sois pas obstiné, par exemple, si vous vous êtes donné un objectif et que vous voyez que ça bloque pertinemment, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que sans arrêt c'est des bâtons sur les roues, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être modifié ou quelque chose qui a besoin d'être vu d'une autre manière. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite peut-être à mettre un peu de souplesse, regarder les choses d'une autre façon pour pouvoir aller dans une direction plus fluide. Par contre, voilà, pour d'autres, si au contraire vous êtes amené à aller dans un nouveau projet et que au contraire les portes s'ouvrent pour vous, eh ben allez-y et restez focus sur votre objectif. Alors voyons voir sur le plan matériel, professionnel et financier. Génial, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le soutien, la protection, l'équilibre et la maîtrise. Et finalement, ce roi de coupe, alors ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider sur le plan matériel, professionnel ou financier, puisqu'on avait aussi peut-être l'association ici de quelqu'un. Donc ça peut ne pas être forcément quelqu'un de proche. Ça peut être, quelqu'un qui maîtrise un domaine, qui va venir vous aider dans tel ou tel domaine. On peut être sur un patron aussi, quelqu'un comme ça aussi. Mais quelqu'un qui quand même a une bonne notion de l'émotionnel, une bonne intuition aussi, j'entends, et quelqu'un qui est bien dans son relationnel aussi. Quelqu'un qui a qui a une faculté relationnelle. Le roi de coupe, ça peut être vous aussi, hein, ici. Le roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter vous dans vos énergies, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très altruiste, quelqu'un de généreux, qui est capable d'aider les autres et qui peut être aussi dans l'émotionnel ou dans l'affect avec les autres, sur le plan matériel professionnel par exemple, et de très bons conseils aussi. Alors on va aller compléter. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, donc il y a bien quelque chose qui s'achève vers plus de stabilité, plus d'équilibre, par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, j'ai plusieurs choses. La première, on peut être ici sur un nouveau projet, sur une nouvelle énergie professionnelle. Alors, soit parce que ça peut être un changement de poste, ça peut être un travail qui était en CDD ou en intérim qui devient finalement, fixe. Et d'ailleurs, avec la carte de l'enfant, on peut être sur des inquiétudes concernant le fait de faire vivre ses enfants qui s'éloignent. Ces inquiétudes s'éloignent parce qu'il y a beaucoup de stabilité qui arrive. Et quelque part, le roi de coupe, c'est aussi la maîtrise émotionnelle, la stabilité. Donc il y a peut-être aussi quelque chose d'émotionnel ici qui se met en place parce qu'il y a une situation qui évolue par rapport à un travail. Pour d'autres, il est peut-être question de rechercher un équilibre entre son travail et ses enfants, sa vie privée, sa vie intime aussi. Hein. On a quand même le roi de coupe qui est dans la maîtrise, donc on vous dit que finalement vous allez trouver une solution, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Alors, avec la carte de la finalité ici, du cercueil, on peut être soit sur le fait de décider de mettre fin à ce contrat de travail parce que finalement il ne palliait pas du tout avec ce que vous aviez envie, c'était pas aligné à vous, ou alors vous ne trouviez pas du tout cet équilibre dans ce travail, donc vous pouvez peut-être être amené à faire émerger un nouveau projet qui va vous permettre justement d'être dans l'équilibre. Le 2, c'est aussi l'équilibre. Donc on peut être aussi dans l'équilibre ici par rapport à ça. Pour d'autres, on peut être en effet sur quelque chose qui se termine, une période qui s'achève, un contrat qui s'achève, mais qui finalement devient pérenne dans le temps par rapport à un nouveau poste ou par rapport aussi, qui vous amène aussi de la joie, parce que l'enfance, c'est ici aussi la joie. Donc il y a quelque chose aussi d'émotionnel, positif ici pour vous les béliers, parce qu'il y a quelque chose qui évolue. Bon, après je vais voir s'il y a autre chose qui arrive, mais des fois ça peut arriver après. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, et ben là on me dit que si vous cherchez du travail, cette recherche de travail va s'achever parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous sur le plan du travail. On me dit restez confiant, restez optimiste, il y a bien de bonnes nouvelles ici qui arrivent à vous avec la carte du bouquet. J'ai vraiment des bonnes nouvelles concernant un nouveau travail ou concernant un CDI qui pourrait vous être proposé, quelque chose de durable, quelque chose qui amène aussi pour vous aussi une stabilité émotionnelle.
Pour d'autres, si vous êtes bah, justement à la retraite, parce que j'ai la finalité avec le travail, ça peut être quelqu'un qui arrive à la retraite, et qui pourrait bah, bénéficier de plusieurs choses. Des bonnes nouvelles concernant éventuellement bah, ce départ à la retraite, des bonnes nouvelles aussi concernant peut-être des proches, mais le bouquet c'est aussi la joie. Et en plus avec les enfants au-dessus, on peut être sur quelqu'un qui justement part à la retraite et peut-être même avec un proche, va pouvoir en toute confiance, on vous dit, profiter peut-être de vos petits-enfants, profiter de la famille. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de stable pour vous qui arrive. Il y a quand même beaucoup de joie dans cette période de retraite où vous allez, j'ai l'impression, profiter de vos proches, de vos amis. C'est vraiment, j'entends un sentiment de liberté pour vous. Très clairement. Donc pour ceux qui cherchent du travail, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a du travail qui arrive. Pour ceux qui sont à la retraite ou qui arrivent à la retraite, eh ben c'est très positif aussi. En tout cas, vous, les béliers, vous avez une belle énergie sur le plan matériel, professionnel ou financier. Alors, on me dit aussi hein, que si c'est quelque chose de financier, qu'il y avait certaines inquiétudes, ça se termine. Hein. Il y a quelque chose de plus léger qui arrive, de plus positif. Alors, sur le plan relationnel, nous avons le roi de denier. Waouh, vous avez quand même deux rois, là, dans votre tirage. Impressionnant. Alors, le roi de denier, lui, il va vous parler d'abondance, de réussite et de générosité, mais dans le relationnel. L'abondance, c'est-à-dire beaucoup de personnes sur qui vous pouvez compter autour de vous, beaucoup de personnes autour de vous. Ici, on est sur le relationnel qui peut être amoureux, mais qui peut être aussi autre, hein, familial, amical, professionnel. Donc, on est sur les relations humaines autour de vous. Très clairement, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a réussi et qui est bien ancré dans ses relations, qui est vraiment présent pour les autres, qui est généreux dans le relationnel aussi. Quelqu'un de charismatique, j'entends aussi, qui a un grand pouvoir personnel d'attraction peut-être aussi des autres. Les gens vont facilement éventuellement vers vous. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Allez, voyons voir pour les célibataires. Bah, pour les célibataires, ça peut vous représenter vous comme ça peut vous représenter un partenaire potentiel ou une partenaire potentielle. Donc, on peut être sur un homme ou une femme, hein, d'accord? Là, c'est pas sexualisé comme les cartes du tout dans les générales. Mais on est vraiment sur soit le consultant ou une personne autour du consultant aussi, d'accord? Ou de la consultante. Mais on est aussi dans une énergie masculine. Et on est dans une énergie masculine ici qui nous symbolise d'être dans l'action, d'agir. On a la direction et on a la décision aussi. J'ai plusieurs choses. La première, on me dit que vous avez peut-être une décision à prendre concernant une relation autour de vous. On vous dit, laisse-toi guider par ta guidance intérieure, par ton intuition. Laisse-toi porter parce que tu ressens. Ensuite, on me dit que de toute façon, avec la boussole, que vous êtes dans la bonne direction concernant une décision que vous avez à prendre. Alors, ça peut être une décision de couper les ponts avec quelqu'un, pourquoi pas pour certains, ou au contraire, ça peut être une décision qui va vous permettre de récolter du positif derrière aussi. J'ai quand même dans vos énergies le roi de denier, qui est quand même une réussite sur le plan relationnel. Donc pour moi, on est plutôt sur quelque chose que l'on récolte ici, parce qu'on agit. Ça peut être aussi, voilà, tout simplement que vous êtes dans l'action de prendre soin des relations que vous avez autour de vous, et ça porte ses fruits, puisque les gens, visiblement, sont complètement fédérés par vous, aiment passer du temps avec vous aussi. Alors voyons voir pour les couples ici. Pour les couples, il y a le temps, il y a la lune, il y a l'ancrage. Alors pour les couples, on a une notion d'émotionnel qui n'est pas forcément tout simple là. On me dit que ça n'a pas été toujours de tout repos, qu'il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été faciles sur le plan du couple ici, parce que j'ai quand même beaucoup d'émotionnel. On a peut-être aussi caché pas des choses négatives, pas dans le sens secret, mais plutôt caché ses états d'âme, ce que l'on ressentait à l'autre pour ne peut-être pas l'embêter, ou parce que l'autre n'allait pas forcément non plus tip-top et on voulait pas en rajouter. Et donc on avait peut-être cette notion là je ne dis pas forcément ce que je ressens. Et pourtant, là, on me dit que... Enfin, dans le passé. Et là, on me dit qu'il y a quand même une stabilité émotionnelle ici dans le couple qui arrive. Il y a quelque chose de durable. Mais, sous condition justement de parler de ce que l'on ressent. Parce que ici, la faux pour moi, elle a coupé le côté émotionnel caché. C'est-à-dire qu'il est peut-être question de dialoguer, de renouer le dialogue
d'être dans l'action, d'aller vers l'autre et de laisser l'autre venir vers soi aussi pour pouvoir amener une stabilité émotionnelle. Parce que là, l'encre, finalement, c'est pas anodin. Il y a quand même une mer super agitée en dessous. Donc, ce n'est pas forcément de tout repos la vie de couple actuellement, mais il y a quand même cette notion d'équilibre qui se met en place, qui va arriver. Mais il y a peut-être aussi des décisions à prendre. Alors, pour certains, en effet, on peut être sur un partenaire ou une partenaire, ou vous, qui avez caché à l'autre quelque chose, par contre, d'important. Comment dirais-je ? Là, j'ai quand même une notion de rupture pour certains. Besoin de couper avec cette relation, parce que finalement, ça peut être quelqu'un qui est très secret avec vous, qui ne vous dit pas tout, qui cache un peu. Et il y a cette notion de vous avez besoin de retrouver une stabilité. Et parfois, c'est pire d'être dans un couple qui se cache des choses que finalement de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas simple, quoi. Alors, je dis que c'est pas parce que je le dis ça que ça va être bon pour tout le monde. Loin de là. Il y a des couples, au contraire, qui vont parfaitement réussir à renouer la conversation, dire ce qu'ils pensent ou elles pensent et apaiser les émotions. Moi, j'ai quand même beaucoup de couples, par contre, qui vont réussir à traverser peut-être la tempête. Et justement, c'est en traversant certaines tempêtes que finalement, on arrive à renforcer les liens et que, bah, justement, c'est là qu'on se rend compte que au contraire, on est beaucoup plus solide derrière. Donc ça va pas concerner tout le monde. Moi j'entends que c'est déjà une personne qui a déjà fait beaucoup d'efforts dans son couple pour essayer d'améliorer les choses mais qui n'y arrive pas. Et qui voit que c'est un petit peu peine perdue et qui se fatigue beaucoup là-dedans. Vie intérieure et spirituelle, nous avons... le roi de bâton, j'ai pas fait exprès. Je tire les cartes, même si je le mets plus en vidéo, je fais exactement comme je faisais quand je faisais en avance rapide. J'ai quand même trois rois pour vous. Trois rois. Et vous avez le roi de bâton. Par contre, à l'énergie intérieure. Le roi de bâton, lui, il va être une ouverture d'esprit. À l'intérieur de vous, c'est ouverture d'esprit. Bah, c'est pour ça qu'on vous disait, ne sois pas obstiné. Ouvre ton esprit par rapport soit à la vie professionnelle, matérielle et financière, soit par rapport au relationnel, soit d'ailleurs par rapport à tout. Ouvre ton esprit. Sois plus ouvert. Tu verras que ça amènera beaucoup plus de réussite. Et d'ailleurs, c'est accompagné de quoi ? De la nature. Ouvre ton esprit aussi à la nature. Ouvre ton esprit aussi aux choses qui te paraissent pas naturelles, on me dit aussi. Alors, je sais pas pourquoi. Vous verrez si ça vous parle. Qu'est-ce qui vous semble pas naturel, vous ? Mais ouvre ton esprit sur quelque chose qui te semble pas naturel. Ouvre ton esprit aussi... comment dirais-je ? Le roi de bâton... C'est quelqu'un de très créatif aussi, qui a une très grande ouverture d'esprit, qui est très visionnaire. Et d'ailleurs, avec la nature, on me dit aussi que votre créativité, les amis béliers, vous pourriez l'activer, l'amplifier grâce à la nature ou en tout cas à une reconnexion à la nature. Et là, j'ai quand même les quatre éléments qui apparaissent, hein. J'ai l'air, l'eau, la terre et le feu. On vous invite peut-être aussi à vous rapprocher des éléments naturels, justement, pour vous reconnecter éventuellement à vous-même, pour pouvoir vous reconnecter à votre âme. Ça peut être une balade au bord de l'eau, ça peut être de faire votre jardin ou votre potager, ça peut être de faire après le barbecue quand les beaux jours vont arriver pour faire cuire justement les légumes du potager, pourquoi pas, et puis après pour digérer, hop, une balade au grand air au bord de l'eau si vous avez la chance d'habiter au bord de l'eau, ça peut être ça, vous voyez, c'est un exemple, mais voilà, en tout cas, il y a besoin éventuellement de se reconnecter aux éléments naturels et à la nature, à mère nature, pour pouvoir peut-être continuer d'ouvrir vos énergies et d'ouvrir votre esprit. Voilà les amis béliers, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine de mars. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur, à très bientôt.